Un mandat national, oui, c'est une responsabilité. Et la fierté, c'est d'être une élue socialiste, une députée de tous et de toutes maintenant sur cette troisième circonscription et de participer au travail qu'il va falloir mener à côté et aux côtés de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Vous allez sûrement au final être élu avec au moins 60%, voire plus. Est-ce que vous vous attendiez à ce score quand vous vous êtes lancé dans la bataille ? Je n'ai pas fait de pronostic quand je me suis lancée dans la bataille. Lorsque l'on fait une campagne électorale, on a des convictions, on défend des engagements et les électeurs et les électrices, tous les habitants que nous avons rencontrés, nous leur avons parlé, nous les avons écoutés. Ce soir, je pense que je dois remercier très très chaleureusement tous les électeurs et toutes les électrices qui nous ont accordé leur confiance et leur dire que à partir de demain, je serai la députée de toutes et de tous sur cette circonscription.